prendre un coup de raquette. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester le padel. Actuellement 72e au classement ATP, si je ne me trompe pas, tu fais partie des meilleurs serveurs volleyeurs au monde, spécialiste de surface rapide, je pense particulièrement au gazon. Tu as 33 ans, mais pas très loin d'ici, à Angers. Tu mesures 1m81 à 91 pour 80 kg. Droitier, un peu plus maintenant. Droitier avec un revers à une main. Et tu as débuté ta carrière professionnelle en 2000. Alors Nicolas, ce test du paddle, c'était comment ici à Cesson? Bah écoute, je me suis vraiment régalé. En plus, j'ai joué avec des joueurs qui étaient vraiment super bons. Donc ils m'ont un petit peu appris comment jouer, comment me placer. Parce que c'est vrai que quand on vient du tennis, on n'a pas du tout les mêmes réflexes. On a tendance sur les smashs à reculer, alors que là, faut plutôt avancer. Et le positionnement, c'était super intéressant. Et puis, je suis bien amusé. C'est surtout ça que je retiens, c'est que c'est vraiment un sport ludique et je joue peu souvent, mais à chaque fois que je joue, je prends toujours autant de plaisir. Est-ce qu'un bon joueur de tennis fait un bon joueur de paddle? Alors je pense qu'un bon joueur de tennis fera un bon joueur de paddle, mais il faut quand même de la pratique. Là, très clairement, aujourd'hui, j'étais le moins bon des 4 joueurs parce que je joue pas du tout. Je suis convaincu qu'avec un peu de pratique, j'aimerais bien rejouer avec eux dans quelques temps. Mais en tout cas, un joueur qui a l'habitude de jouer au paddle sera meilleur qu'un très bon joueur de tennis qui joue très peu. Est-ce que ça peut être une reconversion pour la suite de ta carrière, pour l'après de ta carrière? Oui, de toute manière, j'ai déjà un projet pour essayer d'ouvrir un centre. C'est quelque chose, je suis convaincu que c'est un sport qui va se développer. Les gens, à chaque fois, j'ai des retours extrêmement positifs. À chaque fois, des joueurs jouent de plus en plus et prennent énormément de plaisir. Donc, reconversion en tant que joueur, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, j'y jouerai volontiers, même pour le plaisir. Thibaut, ça fait quoi de jouer avec Nicolas Mahut? Mais écoute, c'est très sympa. On voit que c'est un joueur de double expérimenté qui arrive à évoluer très bien, évidemment. Et puis, avec un petit peu d'entraînement, je pense qu'il faut largement. Alors toi, le paddle, tu l'as découvert comment? Parce que c'est assez récent comme sport ici en France. Ouais, j'ai découvert une fois que la structure ici s'est montée, Sporting Paddle, donc avec Antoine. Et puis j'ai essayé, puis j'ai tout de suite accroché. C'est vraiment très ludique, très sympa. On s'y met facilement, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de petits jeux aussi, c'est assez tactique. C'est très, très rigolo. Et donc toi, tu pratiques le paddle ici à Cesson, ouais. T'en fais régulièrement, tu fais des matchs, comment ça se passe? Non, c'est surtout des parties, des entraînements, plus des parties en fait pour le fun que des matchs. Peut-être que les matchs viendront dans un second temps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est des parties de plaisir régulièrement, une à deux fois par semaine. Alors merci de m'avoir accueilli ici à Cesson chez Spotin pour tester le paddle. Explique-nous un petit peu les règles de ce sport de raquette. Alors le paddle, c'est du... en quelque sorte du mini-tennis qui se joue dans une cage en verre. On joue avec des raquettes comme ça, des raquettes qui sont pleines, sans cordage, trouées et entourées de différents matériaux, notamment du carbone et du Kevlar. C'est un sport qu'on pratique uniquement en double, en 2 contre 2, avec un filet au milieu. Et la différence, notamment avec le tennis, c'est qu'on a le droit de jouer avec les parois qui sont vitrées. C'est vraiment un mélange de tennis, badminton, squash. D'accord. Et ça vient d'où ce sport? Alors, c'est un sport qui a été inventé déjà il y a quelques années, il y a une centaine d'années sur les bateaux britanniques où les marins ont trouvé cette idée dérivée de sport du tennis pour pouvoir jouer dans les cales des bateaux.
Ensuite, le sport a été repris par un politique argentin qui n'avait pas assez de place chez lui pour jouer au tennis et qui a repris cette idée des navires britanniques. Et ensuite, le roi d'Espagne, il y a 20-25 ans, a repris cette idée et a développé ce sport en Espagne. Aujourd'hui, on compte 4 millions de joueurs en Espagne, plus de pratiquants de paddle que de pratiquants de tennis. Ce sport est encore très méconnu en France, même si il est en train d'arriver en grande puissance. On compte à peu près 4-5 000 licenciés en France quand on en compte 4 millions en Espagne. Aujourd'hui, des joueurs, notamment des joueurs de tennis, comme Henri Lecomte, comme Nicolas Mahut, s'intéressent au paddle et donnent un élan pour pouvoir développer ce sport qui est depuis un an rattaché à la Fédération Française de Tennis. Donc il y a des clubs, il y a des compétitions, ça veut dire ? Voilà, il y a des compétitions qui sont soit des compétitions qui ne sont pas labellisées et des compétitions qui sont labellisées Fédération Française de Tennis. Ici, chez Spotin, on organise ces deux types de tournois. On organise très régulièrement, quasiment tous les 15 jours, des tournois par niveau, débutant, intermédiaire ou confirmé. Et là, dans le calendrier, fin 2015, début 2016, on va organiser également des tournois qui seront là labellisés Fédération Française de Tennis pour aller chercher un classement national français de paddle. Alors, tu le disais, il y a 4 à 5 000 personnes qui le pratiquent. C'est plus des débutants pour l'instant ou il y a vraiment des joueurs de top niveau ? Les deux. C'est sûr que le paddle, par exemple, en Bretagne, est encore très méconnu. On est le premier complexe 100% paddle en Bretagne. Donc on a des joueurs débutants qui viennent vraiment ici pour découvrir le sport. Soit des anciens joueurs de tennis, anciens joueurs de squash ou également de badminton, ou des personnes qui découvrent ce sport un petit peu par hasard et qui veulent s'initier un nouveau sport de raquette, puisque le paddle est un sport de raquette très accessible, beaucoup plus que peut-être d'autres sports de raquette. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le tester donc il y a quelques instants. C'est vrai que c'est très ludique la façon de jouer, notamment avec les raquettes déjà qui sont assez volumineuses. On essaye aussi de taper un petit peu dans les murs, sur les côtés. C'est ça vraiment qui plaît aussi aux joueurs, j'imagine. Il y a ce côté accessible. Tout à l'heure, c'est la première fois que vous jouez au paddle. Et dès la première séance, au bout de 20-30 minutes, vous faisiez une quinzaine d'échanges. Donc voilà, il y a vraiment ce côté accessible et donc amusant puisque très rapidement on peut avoir un niveau intéressant. Alors comment on fait pour ceux qui veulent venir jouer ici à Cesson? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ça se passe? Alors pour venir jouer, vous avez juste besoin de venir en affaire de sport classique, comme si vous alliez faire un tennis. Soit de nous appeler par téléphone pour pouvoir réserver un créneau, soit vous pouvez directement réserver en ligne sur notre site internet spotin.com, et là vous avez un onglet pour pouvoir réserver en ligne. On propose des séances d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et pour si c'est votre première venue, on se fait un grand plaisir de passer du temps avec vous pour pouvoir vous accompagner, vous expliquer un petit peu les règles, les notions de jeu, le placement, pour que vous puissiez être autonome par la suite. Merci Antoine de m'avoir accueilli. Et merci à vous. À bientôt.